Man. Amen. Bonjour chers frères et chers en Christ, chers internautes. Nous allons continuer par louer le Seigneur en chantant dans le Cantique RCE numéro 165. Cantique RCE numéro 165. À toi seul je suis. J'entendis ta voix qui me parla de ton amour. Mais je veux m'élever, oui, par la foi et être plus près de toi. Consacre-moi donc à ton service, par ta divine grâce, que mon cœur te regarde avec espoir et s'unisse à ton dessein. Man. Ô joie divine d'une seule heure passée devant le trône, lorsque sur mes genoux je te parle comme à un ami, Seigneur. Rends-moi plus près, ô Seigneur, de la croix où tu mourus, rends-moi plus près, plus près, plus près, ô Seigneur, près de ton sang précieux. Que le Seigneur nous rende plus près de lui ce matin. Amen. Nous allons chanter les quatre couplets. Je vais demander à la famille Mouillet de chanter les deux premiers couplets. Le couplet 1, le couplet 2, le couplet 3, le couplet 4 sera chanté par la famille Sosa. Je répète, le couplet 1, le couplet 2 par la famille Mouillet. Le couplet 3, le couplet 4 par la famille Sosa. Après l'introduction. Parle de ton amour, mais je veux m'élever lui par la foi et être plus près de toi. Rends-moi plus près au Seigneur, que la croix où tu mourus. Rends-moi plus près au Seigneur. Consacre-moi
Continuons en chantant dans le numéro 511. Numéro 511, toujours le même cantique RCE. Ne cède à la tentation, c'est un péché. Chaque victoire te mène à une autre. Lutte comme un homme, dompte les passions. Regarde à Jésus, tu en viendras à bout. Amen. Oui. À tout vainqueur, Dieu donne une couronne. Que Dieu nous donne une couronne ce matin. Nous vaincrons tous par la foi, bien que faibles. Le Seigneur établira notre force. Amen. Regarde à Jésus, tu en viendras à bout. Amen. Ô Sauveur, demande aide, réconfort, force et soutien. Car il désire t'aider, tu en viendras à bout. Amen. Nous allons chanter les trois couplets. Le dernier couplet sera chanté debout, après quoi la prière. Je vais demander à la famille Vimadia Junior de chanter le premier couplet, la famille Fadina le deuxième et la famille Aglossi va chanter le troisième couplet debout, après quoi nous serons conduits en prière. Je répète, le premier couplet sera chanté par la famille Vimadia Junior, le deuxième par la famille Fadina et le troisième couplet par la famille Aglossi après l'introduction. Réconfort français.
siens, il désire bien t'aider. Tu reviens à sa bouche. Il est mauvais ami. Ne dis pas de mal. Mais le nom de Dieu ne rend pas le mal. Médite la soirée, tendre et fidèle. Viendra à vous. On se va demander le comment c'est toi et des élèves. Tu en viendras à vous. C'est par amour que tu nous as donné ta vie. C'est par amour que tu nous as fait voir ce jour, ton jour. C'est un jour de bénédiction. Seigneur, nous sommes à tes pieds pour être bénis à travers tes leçons. Jésus, comme tu es en train de nous bénir par les chants, bénis-nous aussi à travers la leçon des enfants, des jeunes, des adultes, qui vont nous les présenter. Jésus, nous voulons t'entendre. C'est toi, ta voix, que nous voulons entendre. C'est toi qui peut chacun, ce qui peut amener chacun à aller pour cette leçon. Jésus, renouvelle notre force en toi. Renouvelle notre désir. Jésus, à travers cette leçon. Amen. Pour ta gloire, pour que tu reviennes. Nous avons le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour sœurs. Nous allons passer maintenant au verset de mémoire. Et je vais commencer par les versets. Quel enfant qui veut me donner, qui veut me dire les versets de mémoire? Déchargez-vous sur lui. Pardon? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. En Pierre 5, 7. Merci. Et maintenant, les enfants, Fadino va réciter ensemble. Tolu et Dotun, vous allez réciter ensemble après deux. Un, deux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En Pierre, chapitre 5, verset 7. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. La sœur Thésia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Merci, je te bénisse. Maintenant, on va passer au verset de mémoire des jeunes. La sœur Morgane peut me réciter le verset de mémoire des jeunes, s'il vous plaît. Jésus lui dit, retire-toi à Satan. Matthieu 4, verset 10. Merci, que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Ah, on va passer au verset de mémoire des adultes aussi. Je veux un volontaire, adulte français. Un volontaire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Autre langue. Oui. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je vais autre langue, en anglais ou en autre langue. La langue roumaine. De actualia toada armo pura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Efeseni 6, capitolul 13. Amen. Merci, mon frère, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. En anglais? Oui. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ephesians chapter 6, verse 13. Amen. Amen. Merci. Ah, nous allons passer au chant des enfants. Et aujourd'hui, quel enfant qui peut me dire c'est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Et dimanche, c'est le jour de quoi? Du Seigneur. Du Seigneur, et on fait quoi? On prie et on fait quoi aussi? On chante. On chante, on loue le Seigneur. Donc, pour cela, je veux qu'un enfant n'a qu'à me donner un chant de louange. N'importe quel chant qui connecte de louange. Gloire soit à Dieu, gloire soit à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Gloire soit à Dieu. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Maintenant, pour les enfants, nous allons chanter tous ensemble. Après deux. Un, deux. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Qui nous donne la victoire. La victoire par notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, tout le monde, grand, enfant, petit, tout le monde, on chante 1, 2. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Nous donne la victoire. La victoire par notre Seigneur Jésus. Passe à ta Dieu, c'est Jésus. Amen. Qui nous donne la victoire, non? Amen. Et il va continuer à nous donner la victoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et quel enfant qui peut me chanter aussi le chant de dimanche dernier? Quel enfant qui peut me rappeler? Je veux donner ma vie à Jésus. Pour qu'il fasse de moi son enfant pour toujours. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Maintenant, tous les enfants, vous allez chanter tous ensemble. On va chanter le premier couplet seulement et le refrain. Donc, après deux. Un, deux. Je veux donner ma vie pour qu'il fasse de
voit son enfant pour nous. Je suis volontaire, je suis volontaire, je suis volontaire. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne encore beaucoup de la sagesse et que vous grandissiez dans sa volonté. Et maintenant, nous allons passer au chant d'aujourd'hui, pour notre leçon d'aujourd'hui, qui nous dit « Vaste comme océan ». Est-ce que l'amour de Dieu n'est pas si grand? Oui. L'amour de Dieu est grand et il va continuer aussi d'être toujours grand dans notre vie. Amen. Donc, ils vont nous donner le temps de ce chant et après, on va essayer. Le temps, s'il vous plaît. Merci. Bonjour les frères, les enfants. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, le titre de notre leçon d'aujourd'hui qui va me. Qui est... Le naufrage. Le naufrage. Ah, qui sait ce qu'on appelle le naufrage? Un naufrage, c'est quand un bateau fait s'échoue, se casse. S'échoue, oui, merci. Quand ce bateau s'échoue, bien se brise complètement. Que ça nous aide.
C'est très important, c'est une leçon pour toi et pour moi. Donc, où on va lire notre lecture? La lecture est longue, mais on ne va pas lire tout. Là, où on va trouver notre lecture de ce matin? Acte 27, chapitre 1 à 40, verset chapitre 1 à 44. Donc, chapitre 27, verset 1 à 44. Répète. Acte chapitre 27, verset 1 à 44. Répétez tous les enfants ensemble. Merci. Yeah. Kezia, tu peux commencer? 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonie de Thessalonique. 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. 4. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. 5. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Oui, merci beaucoup. Dans la famille de Fabina, un enfant, s'il vous plaît. 6. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Mide où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. 8. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beaupin, près duquel était la ville de Lacé. 9. Un temps assez long et s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. À l'époque même du jeûne était déjà passée. 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. 12. Et comme le pont n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de se quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, bord de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. 16. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. 17. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour tendre le navire
et dans la crainte de tomber sur la citre, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on le compte de ça emporté par le vent. 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. 19. Et le troisième jour, nous lançâmes de nos propres mains les ingrédients du navire. 20. Le soleil et les étoiles nous parlent. 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. 23. Enfin, Ethan. 23. Un ange de Dieu, par ça que je sers, m'a apparu cette nuit. 24. Et il m'a dit: Paul, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. 26. Mais nous devons échouer sur une nuit. 27. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. 28. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Donc, dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 autres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. 30. Mais comme 31. Paul dit aux centeniers et aux soldats: si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. 32. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Oui, 34. 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête de chacun d'aucun de vous. 35. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit et se mit à manger. 36. Et tous, prenant courage, mangèrent aussi. 37. Nous étions dans le navire 267 en tout. Quand ils durent manger suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. 39. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent un golfe avec une plage qui les aurait vu pousser le navire, s'ils le pouvaient. 40. Ils déhirent les ongles pour les laisser saler dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. 41. Mais 43. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour la terre. 44. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Ah, amen. La fin nous dit: et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Oh, notre Dieu est puissant. Les enfants, savez-vous que notre Dieu est puissant? Oui. Nous avons un personnage sur lequel nous parlons depuis chaque dimanche. C'est qui? Un grand personnage. C'est qui? C'est Paul. Nous avons vu que Paul, il est aussi dans ce navire. Il est en ce temps-là, cette fois-ci, il est comment? Il est un prisonnier. Et Dieu, voulant qu'il va témoigner à César, a permis qu'il prenne la barque pour aller en Italie. Que cela nous aide. Donc, Dieu prend soin toujours de Paul. Ce que nous venons de voir maintenant, on a vu que Paul, avec les prisonniers, avec le centenier, qu'il aimait, parce qu'il a vu la grâce de Dieu en lui. Il a vu la faveur de Dieu sur Paul.
C'est pourquoi il a aimé. Et nous voyons que quand ils allaient, ils regardaient Paul, la vie de Paul, malgré qu'il était dans la chaîne, il était exemplaire. Voyons un peu notre chose-là. Regardez Paul. Vous voyez les enfants. Paul, vous voyez comment il est. Qui peut me montrer Paul? Il est de quel côté? Il est en vert. En vert. Enchaîné. Vous voyez ses mains sont. Ses mains. Comment? Enchaîné. Parce qu'il n'est pas libre. Vous voyez? C'est le centenier qui est en train de lui dire. Il n'a qu'à venir avec les autres prisonniers. Il n'a qu'à venir. Hein, pour prendre la barque pour aller. Hein? Donc, c'est ainsi qu'ils vont prendre la barque pour aller dans le navire. Et on nous a dit, dans ce navire-là, il naviguait, mais il y a un endroit que... Ah! Dieu a parlé à Paul. Dieu a dit quelque chose à Paul. Ah! Oui! Là où nous allons, regardez ce qu'on vient de nous montrer encore, l'image qui veut me dire, c'est Paul qui est en train de parler. Il est en train de parler à qui? Au centenier. Qu'est-ce qu'il lui disait? On vient de lire cela. Il lui a dit que l'ange lui a parlé cette nuit en lui disant que ce voyage ne sera pas. Sera avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de dommages pour le navire, pour la cargaison et aussi pour les personnes. Nous avons vu que Paul, il a donné conseil à l'officier on ne doit pas quitter ici parce que son Dieu est avec lui et il lui parle. Donc il a dit, on ne doit pas quitter ici parce que là-bas, ça serait dangereux. Quand on va continuer, ça serait dangereux. Mais il a entendu le conseil de qui? L'officier a entendu le conseil de qui? On vient de lire cela. Du capitaine d'équipage. Le capitaine. Que ça nous aide. Il a su que le capitaine, il est expérimenté. Il connaît bien les lieux. Oh, Paul n'a jamais voyagé là. Mais Paul avait quelqu'un. Qui est son grand conseiller? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ah, les enfants, c'est bon d'avoir Dieu comme conseiller. C'est bon d'avoir Dieu pour nous guider. Hein? Donc, quand maintenant ils vont rentrer dans le bateau, parce que le capitaine veut qu'on parte, parce qu'il ne veut pas rester, il veut aller à une destination avant l'hiver, on va voir qu'ils ne vont pas écouter. Le conseil de Paul, mais ils vont écouter le conseil du capitaine du bateau. Et c'est ainsi qu'ils vont rentrer dans le bateau. Oui? Dans la barque. Oui? Et dans la barque, maintenant, il a un problème. Oui? Montrez-nous le problème. Il a un problème. L'image suivante. Oui. Vous voyez? Il a un problème maintenant qui est surgi. Au lieu d'écouter le conseil de Paul, ils n'ont pas suivi. Maintenant, quel est ce problème-là maintenant? On nous parle de quoi? D'une tempête. La tempête. La tempête était furieuse. Vous voyez, c'est l'eau. Vous voyez les eaux là? Ça rentrait même dans la barque. Vous voyez? Et tout est noir. Ils ne peuvent plus voir. Tout est noir. Et ils ont vu que ils sont en train de forcer pour pouvoir aller, mais est-ce que c'est possible? Ah. Et ils ont fait des jours comme ça, jusqu'à ce que et ils ont commencé l'image suivante. Regardez les biens précieux, les bonnes choses qu'ils ont amenées, les trésors qu'ils ont amenés. Ils ont oublié de faire quoi? De la jeter à la mer. C'est pas, parce que la vie de l'homme est plus que ça là. Donc, même vous voyez, l'eau est dedans, dans la barque déjà, dans le bateau. Et maintenant, ils sont en train d'enlever tout pour alléger le bateau. Mais quand ils ont fait ça, est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Non. Non, ils n'ont pas eu gain de cause.
que le Seigneur nous aide. Donc, c'est pourquoi il faut entendre le conseil de Dieu. Donc, nous savons que tous, ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur de leur vie. Ils savaient que c'était la mort. Mais quelqu'un dans la barque n'avait pas peur. Qui? Kezia? Oui. Oui? Qui? Je n'étais pas entendu. Kezia? Oui? Enfin, Ethan? Paul, vous voyez l'image qui est... Lui, il est tout souriant. Les autres étaient frustrés. Hein? Tout souriant. Donc, sûrement, ils seront en train de regretter de n'avoir pas écouté Paul. Ah, les enfants, c'est beau d'entendre les paroles des enseignants, de nos maîtres, de nos parents. C'est très bon. Les bons conseils de nos parents, nous devons les entendre quand nous allons à l'école du dimanche. La parole de Dieu qu'on nous dit, les conseils, les bons conseils qu'on nous donne, nous devons les écouter et les agir en conséquence, que ça nous aide. Et tous n'étaient pas contents, tous, mais Paul était content parce qu'il a quoi en lui? Il a quoi en lui? Il a quoi? Il a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il a Jésus en lui. Jésus est dans son cœur. Et il a confiance en Jésus. Et il sait que Jésus l'a délivré plusieurs fois. Et Jésus là ne va pas le délivrer maintenant. Oui, il a l'assurance. Les enfants, c'est bon d'avoir l'assurance sur Jésus. C'est bon d'avoir l'assurance de chercher Jésus dans notre vie. Et que Jésus puisse être notre assurance, quelles qu'en soient les difficultés, les gens, le monde en train de troubler. Nous allons voir que nous avons confiance en notre Jésus, qu'il ne va pas nous abandonner. C'est ainsi, l'image suivante, vous voyez, tout joyeux. Regardez les autres, ils sont tout frustrés, fatigués, parce qu'ils ont travaillé, ils ont enlevé les bagages, ils ont fait tous leurs efforts. Tous leurs efforts étaient en vain. On va voir Paul à les mains avec la joie. L'image... D'abord, vous voyez, il les a rassurés. Un enfant de Dieu, que le Seigneur nous... Les enfants, c'est bon. Lorsque vous êtes à l'école, en classe, quand vos amis sont frustrés, tapez leur dos là, pour les réconforter. Vous voyez, Paul, il a tout de les réconforter. Nous ne soyons pas sans crainte, parce qu'il a déjà prié. Et Dieu l'a rassuré que personne, aucun d'eux, ne mourra. L'image suivante, regardez, fatigué, il les a dit, mais je vous ai donné ce conseil, mais vous n'avez pas écouté. Je suis sûr que le centurion, regardez, il a cassé déjà un bras, mais vous voyez qu'il a un problème là. Donc, il va dire, il serait en train de regretter. Oh, si je savais. J'allais entendre le conseil de « Regarde le bien que j'ai perdu maintenant. » J'aurais pu entendre le conseil de qui? De Paul. Donc, que ça nous aide, qu'on ne regrette pas. Quand on ne suit pas les bons conseils, c'est comme ça qu'on regrette. Mais enfin, ce n'est pas bon. Hein? C'est bon de suivre les bons conseils. Mais voilà, tous, ils ont honte même. D'autres ont baissé la tête. Hein? Regardez l'image. D'autres ont baissé la tête parce qu'ils savent qu'ils ont pris une mauvaise décision. Que ça nous aide à prendre de bonnes décisions. C'est très important. Donc, Paul les rassure toujours que c'est pas fini. Mais depuis longtemps, ils n'ont pas mangé. Fatigués, affamés. L'image suivante. Fatigués, affamés. Bon, vous voyez, Paul a un bon cœur. Avant, il était enchaîné. Maintenant, l'officier a vu que cet homme de Dieu n'a pas besoin d'être enchaîné. Hein? Donc, il a laissé. Maintenant, vous voyez que c'est Paul qui a... Il a pris de la nourriture. Il a coupé et il a commencé par partager. Vous voyez l'amour que ça nous donne, cet amour, les enfants. C'est bon d'avoir l'amour de Jésus. Quand on a l'amour de Jésus, oh... Tout est la paix. Malgré les troubles autour de nous, on a la paix, la tranquillité. C'est bon d'avoir Jésus. Hein?
Donc, c'est ainsi qu'il a donné à manger. Depuis des jours, ils n'ont pas mangé. Donc, il a donné à manger. Et quand il a donné à manger, la tempête, est-ce que la tempête a cessé? Regardez autour d'eux, tout est noir. Ils ne voient plus le soleil, ils ne voient plus le soleil. Rien, tout est obscur. Hein? Même l'eau, les gens déjà immergés complètement. Hein? Donc, vous voyez, donc, sur l'image suivante, quand la cohorte, les militaires, hein, les soldats, ils ont vu que c'est la mort maintenant. Nous sommes devant la mort. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent tuer. Vous voyez? Ils sont méchants, hein? Regardez, ils ont l'épée. Ils veulent commencer par tuer. Mais Dieu merci, quelqu'un de la barque qui a connu Paul depuis le début et qui a regretté conseil de Paul. Hein, c'est qui cette personne? Le centenier. Le centenier. On a donné même son nom. On nous a donné son nom, Julius. Ah, il est un bon homme, hein? Que ça nous aide à être bon. Donc, il connaît la vie de Paul. Il connaît que c'est un homme de Dieu, un homme à qui on doit faire faveur, un homme à qui on ne doit pas faire du mal. Regardez, au fond là-bas, c'est lui, le centenier. Il a dit aux soldats, stop, parce que c'est lui. Il est quoi? Le centenier est quoi pour les soldats? Le chef. Le chef, le patron. C'est lui qui domine. C'est lui qui ordonne. Mais Dieu de Paul a passé par lui pour avoir la faveur. Et à travers Paul, maintenant, tous les prisonniers sont comment? Toujours en vie. Sont sauvés aussi, sont en vie. Que ça nous aide. Vous voyez, à cause de vous, Dieu va délivrer toute votre classe. Lorsque vous êtes dans un endroit mauvais, Dieu va vous délivrer, même dans une voiture. À cause de toi, si Dieu le veut, il va te délivrer. Donc Dieu, il est puissant, hein? Que ça nous aide. C'est ainsi que il a le centenier, qui est le patron, il a dit, non, ne faites pas cela. Et ils ont stoppé. Et le bateau, est-ce que ça a pu atterrir facilement? Non. Mais Dieu a déjà révélé à Paul que quelque chose va se passer. Que ce navire-là, quelque chose va se passer à ce navire. Se casser. Se casser, se briser complètement. L'image suivante. Oui, voyez, le navire, regardez bien. Vous voyez que tout est, même les voiles sont déjà cassées. Tout est cassé. Voilà. Donc, ils sont obligés de jeter. Dieu merci. Et le navire a cogné la terre, un bout de terre, et ça s'est écrasé complètement. Donc, ils sont presque au bord. Voilà. Et donc, ça leur permet. Vous voyez que Dieu a dirigé. Dieu a écouté l'apôtre Paul et tout ce que Dieu lui a dit, ça s'est accompli. Tous, ils sont descendus sains et saufs et ceux qui ne peuvent pas naviguer même, ils peuvent se tenir dans l'eau pour pouvoir continuer à aller au bord de la rive, à la rive. Que ça nous aide, c'est très important. Donc, sur l'image suivante, regardez, tous, ils sont venus sains et saufs. Et regardez le bateau qui est déjà complètement ébranlé, seul. Mais quand on a compté, on nous a dit combien? Comment? Les enfants? 276. Et il y a un mort dedans? Non, tous sont vivants. Ah, parce que quelqu'un a un Dieu parmi eux. Et ce Dieu-là a protégé Paul et protégé tous ceux qui, selon ce que Dieu leur a donné. Est-ce que notre Dieu n'est pas bon d'être loué? Oui. Ah, c'est bon de le louer et de l'avoir dans son cœur. Pourquoi Paul a bénéficié de Jésus, a bénéficié de Dieu, de la protection de Dieu et tout son entourage a profité de cela parce qu'il avait Jésus dans son cœur. Les enfants, c'est très important d'avoir Jésus dans son cœur. Qui veut avoir Jésus dans son cœur? Moi, je veux avoir Jésus dans mon cœur. Et quand Jésus rentre dans mon cœur, avant que Jésus ne rentre dans mon cœur, qu'est-ce que je dois dire? Je dois confesser.
Oui, qu'est-ce que ça peut me dire? Une question, réponds. Oui. Et pour avoir Jésus dans mon cœur, qu'est-ce que je dois dire moi-même? Je dois confesser en disant quoi? En priant. Oui. Et en disant, oui, dans ta prière, tu dis quoi? Pardonne-moi tous mes péchés. Amen. Les enfants, c'est bon hein, de prier, de demander hein, le pardon du péché. Et que l'Esprit de Dieu n'a qu'à te convaincre pour que tu reconnaisses que, ah, je suis un pécheur, Jésus, pardonne-moi. Et quand Jésus pardonne, oh, la joie, la paix. Et Dieu, il sera ton guide, ton protecteur. Que ce nous aide ce matin à voir ce Jésus dans notre vie. Donc, ça ici pas enfin notre, la leçon des enfants. Que ce vous bénisse tous. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur par sa grâce qui nous a bénis à travers la leçon des enfants. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La victoire qu'il a donnée à Paul et à ses prisonniers, qu'il nous accorde aussi cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la leçon des enfants se relie aussi à peu près avec notre leçon, parce que c'est les aléas de la vie et les choses qui peuvent arriver à un chrétien sur son chemin. Mais Paul a tenu jusqu'au bout. Oui. Et voilà que Dieu nous donne aussi la grâce de tenir jusqu'au bout et à surmonter toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frère Emmanuel, quel est le titre de notre leçon? Le titre de la leçon, c'est les tentations dans la vie. Merci. Les tentations dans la vie. Oui, frère Jules, quel est le titre de notre leçon? Le titre de la leçon, c'est surmonter la tentation. Merci. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons passer à notre lecture biblique. Le frère Emmanuel va nous lire l'Évangile selon Luc, chapitre 4, du verset 1er au verset 7. Et le frère Jules va nous lire du verset 8 au verset 15. Et ainsi, la sœur Morgane à toi nous lit 1 Corinthiens 10 verset 13. Et la famille de ceux qui sont au Gabon, et ils sont là? Non, ok, non. La sœur de vie est là? Ok, d'accord. Sœur Ghislaine est là? Oui, je suis là. D'accord. La sœur Ghislaine va nous lire Éphésiens 6, du verset 11 à 17. Et le frère Sondé va nous lire en anglais. 1er Pierre 5, verset 8 à 10. Merci. Nous allons commencer par Évangile selon Luc, chapitre 4. 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » 4. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 6. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données, et je la donne à qui je veux. » 7. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras à lui seul. » 9. Le diable... 9. Frère Gilles. 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » 10. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. 11.
et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 12. Jésus lui répondit, l'édit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Merci. Soyez bénis. Nous allons passer à 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Éphésiens 6. Versets 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominants, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Merci. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. 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 1 Pierre 5, versets 8 à 10. The First Peter, chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. 9. Whom receives steadfast in faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. 10. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen. 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 Que le Seigneur nous garde inébranlable au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur nous fortifie en toutes choses. Ici, dans notre leçon, on parle maintenant des tentations. La tentation dans la vie qui peut arriver à tout le monde. Et précisément, ici, c'est passé par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne un exemple ici, puisque c'est lui que nous suivons, c'est lui qui nous a rachetés, et c'est lui qui est notre maître. Et comprenons bien que si nous voulons parler, que si la leçon nous parle de la tentation dans la vie, cette leçon s'adresse particulièrement à tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Évidemment, quand quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, n'a pas encore reçu le salut, ne peut pas comprendre ce que c'est que la tentation ni les épreuves dont on parle ici. Donc, c'est pour cela, mais ça fait du bien. Ça nous fait grandir à condition qu'on ne tombe pas dans ces péchés. Donc, ici, pour avoir toujours cette bénédiction du Seigneur, nous vous conseillons de prier, de chercher la face de Dieu ce matin pour que le Seigneur vous sauve. Parce que
D'une autre manière, la tentation se trouve aussi de l'autre côté, même n'étant pas encore chrétien. Parce que le diable, mais simplement qu'il t'enfonce, encore, et là, il t'envoie plus de problèmes. Il t'envoie plus de problèmes parce que tu ne sais pas que c'est des tentations, et tu seras en train de tomber dedans, il va t'envoyer beaucoup de problèmes en plus. Le seul moyen de s'en sortir est de revenir au Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ sauve et sanctifie ton cœur et te lave complètement de tous tes péchés. C'est le seul moyen d'être vainqueur et avoir la victoire sur toutes choses. Donc, c'est très, très important que le nom de Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Frère Gilles, dis-moi, Jésus était où avant d'aller dans le désert? Jésus était allé se faire baptiser par Jean, près du Jourdain. Merci. Oui. Quelqu'un chez la famille Rouillet. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus pendant son baptême? Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Merci. Donc, Jésus étant rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, nous voyons que Dieu est envoyé et son Esprit sur lui comme une forme de colombe. Et ça, c'est une belle histoire que nous voyons ici. Maintenant, Jésus est parti dans le désert par l'Esprit de Dieu pour prier. Il a prié, il a jeûné et il est resté à jeun. Oui, je vais passer par, peut-être que je vais voir si Tolo a lâché. Oui, dis-moi, est-ce que tu connais pendant combien de jours Jésus a prié? Tu connais? Tolo a lâché? Ok, d'accord. Je veux alors, Ethan. 40 jours, 40 nuits. Merci. Bravo, les enfants. C'est bien. Vous êtes les étudiants de la parole de Dieu. Que Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Alors, après avoir jeûné pendant 40 jours, dites-moi en réalité, qu'est-ce qu'on peut y avoir? Un volontaire. Faim et soif. On peut avoir faim et soif. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, qu'est-ce que nous voyons dans notre leçon ici? Jésus est dans le désert. Il a jeûné. Et voici le moment où l'ennemi voit qu'il est dans le besoin, où il doit avoir un besoin pressant, c'est qu'il faut qu'il mange. Alors, l'ennemi étant approché de lui. Dites-moi, dans le désert, et qu'est-ce qu'on peut avoir dans le désert comme nourriture? Oui, frère Carole, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le désert comme nourriture? Désert, il n'y aurait vraiment pas à manger, puisque c'est vide. Ah, merci. Dans le désert, il n'y aura rien qu'on peut avoir. Donc, il n'y a rien autour. Donc, mais voilà que tu as besoin, il y a quelque chose, il n'y a rien à gauche, à droite. Donc, et si nous voyons précisément, c'est là que l'ennemi intervient. Donc, nous faisons en même temps une alerte et une comparaison entre nous, les êtres humains. En même temps, c'est quand tu es dans un besoin précis où tu vois à gauche, si tu regardes à gauche, peut-être qu'il n'y aura pas la solution. Si tu regardes à droite, peut-être qu'il n'y aura pas la solution. Il faut aller peut-être plus loin et chercher. Alors, Jésus, lui, est dans un besoin. Mais étant fils de Dieu,
Il a tout à sa portée et il peut l'avoir quand il veut. N'est-ce pas? Mais c'est en ce moment maintenant que l'ennemi est arrivé et l'ennemi lui a fait une proposition. L'ennemi lui a fait une proposition. Oui, quelle était la proposition que l'ennemi lui a fait? Il lui a dit de changer les pierres en pain. Voilà, de prendre les pierres et de les changer en pain. Frère Michael, dites-moi, est-ce que Jésus a la puissance de changer les pierres en pain? Le frère Michael est là? Ok. Un autre volontaire? Oui. Oui, Jésus a la possibilité. Oui, Jésus a la possibilité. Il a la force, il a la puissance de changer. Stone to bread. Merci, frère. Donc, il a la possibilité de le changer, mais il ne doit pas le faire. Et il ne va pas le faire non plus. Mais c'est au même moment que nous pouvons penser que c'est quand tu es dans le besoin que le diable viendra te faire des propositions. Et on va se dire, ah ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Ah ouais, je pouvais changer les pieds là en pain et manger. Ah ouais, je pouvais accepter ceci. Et il va te faire des propositions d'une manière stupide. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dedans. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait ce que Satan a dit? Oui, quelqu'un à toi. Parce qu'il n'a pas obéi au diable. Merci, parce qu'il n'a pas obéi au diable. Parce que ce n'est pas à l'ennemi de lui dire ce qu'il doit faire. Donc, le nœud est que nous ne devons pas obéir à l'ennemi. Voyons un peu dans le Adam et Ève. Adam et Ève, par exemple, ils étaient où? Dans le jardin. Merci. Vous voyez là, par exemple. Regardez encore comment le diable peut encore nous tenter dans l'abondance. Oui, Adam et Ève n'avaient besoin de rien. Ils sont dans une abondance énorme. Ils ne travaillaient même pas avant de manger. Tout est à leur disponibilité. Alors, ce qui veut dire que l'ennemi, il cherche toujours des moyens pour nous atteindre. Alors, il a passé par la femme et par la femme, Adam a été chuté. Et lui, il a perdu toute sa grâce auprès de Dieu, sa relation auprès de Dieu. Mais nous allons voir à la suite ce qui est arrivé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous devons faire beaucoup attention quand l'ennemi nous propose certaines choses dans la vie. Et là, nous voyons aussi qu'il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, vous voyez d'abord, il le met d'abord en doute. Si tu es le Fils de Dieu. Il a essayé de décorer un peu la parole et pour pouvoir mettre Jésus en doute. L'ennemi va te mettre en doute sur certaines choses. Oui, c'est la même chose qui se passe quand nous prions pour certaines choses. Il viendra et va te dire, tu crois que Dieu va te pardonner? Tu as trop péché, ton péché est trop grand. Tu ne vas pas te pardonner. Non, Jésus a miséricorde. Il va te pardonner au nom de Jésus-Christ. C'est ça, on doit lui dire non. Jésus a dit de venir à lui et qu'il va me recevoir. Il a dit même que si mes péchés sont plus rouges que la cramoisie, ils deviendront plus blancs que la neige. Voilà.
Donc, quand il nous amène des doutes, prenons des paroles pour le bloquer dans le nom de Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas besoin de se justifier. Et s'il est fils de Dieu ou pas, auprès de Satan, quand Satan lui disait, si tu es le fils de Dieu, que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Satan a vécu, il a échoué. Non. Mais il ne se fatigue pas. Alors, oui, frère Emmanuel, oui. Alors, comme Satan a essayé le premier, il n'a pas marché. Il a laissé Jésus-Christ, il a continué son chemin. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré, il a continué. Ah, merci! Tu as fait sortir le mot. Satan est plus persévérant. Il est endurant. Ah, que Dieu nous délivre de ses mains au nom de Jésus. Amen. Il a persévéré. Et il a continué. Et il a envoyé encore un autre. Oui. Qui peut nous dire ce qu'il a envoyé comme une autre tentation? Oui. Je ne te reçois pas bien. Il a dit de sauter et que les anges le rattrapent. Il a dit de sauter. C'est ça qui l'a mené. D'abord, il a élevé et lui a montré tous les royaumes de la terre. Il a dit qu'il allait les lui donner. S'il se prosterne. Merci. Il lui a monté. Il lui a demandé aussi quoi? Il lui a demandé de se prosterner devant lui. Qui va lui donner tous les royaumes que ça lui appartient. D'un autre côté, oui, le royaume du péché lui appartient. Le royaume du monde lui appartient. Mais ici, le royaume, le monde, au sens propre et au sens mondain, appartient à celui qui l'a créé. Et il est devant celui qui l'a créé. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, qui est Jésus-Christ. Et quand nous revenons dans Genèse, à chaque fois que quand Dieu veut faire quelque chose, la Bible dit, Dieu dit. Il a utilisé la parole. Dieu dit, il a utilisé la parole. Et cette parole, c'est ça le Christ personnifié. Cette parole est personnifiée en Christ. Maintenant, il vient lui dire qu'il va lui donner toutes ces choses simplement s'il adore. Oui, si nous voyons cette partie, qu'est-ce que nous pouvons retirer comme leçon? Oui, c'est Suzanne. Pardon? Dans ce contexte-là, qu'est-ce que nous pouvons retirer comme leçon? Je te donnerai tout, ça m'appartient. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retirer comme leçon et que Satan utilise aujourd'hui dans le monde pour nous? Dans le monde aujourd'hui, Satan, exactement comme la même chose qu'il a fait pour Jésus, il nous montre tout ce qui est dans le monde, l'argent, et la richesse, tout, et il nous propose qu'il va nous donner tout si nous acceptons de le suivre, si nous péchons, si nous faisons ce qui est mal devant Dieu, mais pour lui, c'est ce qu'il veut pour nous. Si nous faisons ce qui est mauvais, on serait dans son camp et il va nous donner tout. Que Dieu nous aide. Amen. Si il nous montre l'orgueil de ce monde, il montre tout ce qui est dedans et te dit simplement, si tu m'adores, comme des gens ont été tentés à plusieurs manières, oh non, si tu abandonnes cette religion-là, je te donnerai ci,
Je te ferai ça, je te ferai ça, je te ferai ça. Ah, que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, si tu ne laisses pas ça et que tu ne pratiques pas ça, que Jésus-Christ nous accorde la grâce de persévérer jusqu'au bout. Amen. Car moi, je me souviens, quand j'ai reçu l'évangile, j'ai été rejeté pour ne pas pratiquer l'autre religion. Et délaissé complètement à mon compte pendant plus de 7 ans. Mais je vous rassure, Dieu a été mon père. Amen. Il a été ma mère. Oui. J'ai eu des frères en Christ qui m'ont soutenu de gauche à droite. Amen. Dieu a suscité un blanc pour me payer le contrat d'apprentissage. Amen. Amen. Il a fait pour moi et j'ai obtenu cette libération. Amen. Donc, c'est pour dire, dans la persévérance, Dieu nous accorde toujours la grâce. Amen. J'ai failli. Et il y a des domaines dans lesquels il m'a poussé à bout. J'ai chuté. Mais je remercie encore cette grâce que Dieu m'a donnée. Amen, amen, amen. Ça va arriver. Mais Jésus est là pour me soutenir et pour me faire élever dans le nom amen, de Jésus. Amen, amen. Jésus n'a pas cédé à cela. Mais Dieu l'a aidé jusqu'au bout. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. En plus de ça, quand l'ennemi voit que Jésus n'est pas à son solde, alors il dit, je vais aller alors chercher quelque chose dans sa parole. Comme des gens qui voudraient faire mal à un homme de Dieu pour dire, cet homme Daniel-là, nous avons tout cherché pour le faire chuter, pour qu'il soit en disgrâce. Nous n'avons rien trouvé. Nous allons aller chercher dans la parole de Dieu, dans son livre. Ah, le monde te connaît. Oui. Le monde te connaît quand tu es chrétien. Il sait de quoi tu es capable. Oui. Mais Jésus te donnera toujours la victoire au nom de Amen. Dieu. Amen. Alors, Satan l'a amené et lui a demandé de faire quelque chose. Satan l'a amené et lui a demandé de faire quelque chose. Sœur Tamakpinkiria, Satan lui a demandé de faire quelque chose en récitant quelque chose. Son micro ne passe pas. La sœur Cornélie peut nous répondre à cette question? Oui. Il l'a amené sur une haute montagne. Il lui a dit de sauter vers le bas et qu'il est écrit qu'il enverra ses anges pour empêcher que son pied ne heurte contre une pierre. Donc, voilà. Merci. Hein? Il a cité un verset. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que nous comprenions quelque chose. Que le diable a plus de 6000 ans d'expérience que toi et moi. Et il possède la Bible dans sa tête. Il connaît les points virgules. Et il est prêt à les déformer, à le changer pour te tenter. Il est prêt aussi à utiliser beaucoup de personnes aujourd'hui comme des faux prophètes, à changer la parole de Dieu, à tourner la parole de Dieu simplement pour aller contre la volonté de Dieu, pour aller contre la parole de Dieu ou même te pousser à bout. C'est pour cela que le Seigneur nous aide à bien garder nos versets de mémoire. Amen. Que le Seigneur nous aide à bien relire ces versets de mémoire. Parce que ça fait partie de l'épée
les âmes dans lesquelles on nous a parlé dans Éphésiens. C'est cette épée-là que nous devons toujours tenir en nous. Que Jésus nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que l'ennemi va utiliser tout, va dire, oh, moi aussi je suis un enfant de Dieu comme toi. On peut le faire, il n'y a pas de problème. N'oublie pas, il va utiliser les soi-disant chrétiens, les faux frères, pour te pousser à bout. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut lire la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu. Car je me souviens, entre-temps, d'une sœur qui me raconte que un soi-disant frère, un faux frère, lui dit, « Ah, toi, tu es encore en état comme ça? Ah, Dieu a dit que si tu ne fais pas, tu n'iras pas au ciel, hein? Il faut le faire avant que Jésus n'arrive. Que le Seigneur nous délivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Non. Le Seigneur te demande de te garder chaste jusqu'au bout. Amen. Et il te bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur te demande d'être vigilant. Mais que signifie en réalité ce verset? Ce verset, qui l'a cité? Que signifie en réalité ce verset? Oui, frère Joël. En réalité. Oui. Ce verset, il ne doit pas tenter Dieu, mais il doit, c'est pas, s'il a un problème, c'est pas un accident. Si ça arrivait par accident, pas de problème. Mais si de lui-même, il va faire cela, c'est comme s'il est en train de tenter Dieu. Il est en train Pardon? De se moquer de Dieu. De se moquer de Dieu parce que ce n'est pas bon, parce qu'il ne doit pas agir pour plaire à Satan, pour plaire aux hommes, pour plaire à quiconque. Mais si ce n'est pas accident, d'accord, Dieu va le protéger. Merci, amen. Merci. Et Dieu nous protège toujours. Il n'a jamais permis que notre pied se heurte contre une pierre. Il nous a toujours protégés. Et Jésus lui a répondu par la parole de Dieu, c'est écrit, que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus a pu trouver une réponse toujours dans la parole de Dieu. Il lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu tout seul. Après, il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il lui a dit que la parole, tu ne tenteras pas le Seigneur. Et je peux vous dire qu'un jour, je venais de Burkina avec Akaju dans un camion plein, rempli. J'étais avec le frère Olaoui et d'autres personnes. Et nous sommes arrivés à un endroit de Tanguieta. Et notre camion, nous avons chargé plus de 50 tonnes d'Akaju. Et maintenant, on est dans un moteur. Et d'un seul coup, le moteur s'est arrêté. Et si le camion fait reverse comme ça là, c'est qu'il va rentrer dans un autre ravin. En temps où les gens disaient que quand le camion tombe là-bas, là, c'est fini. Ça ne sort jamais, il n'y a rien pour le faire sortir. Il y a un grand trou. Ça s'est arrêté comme ça. Nous sommes descendus et on s'est mis derrière le camion. Et le chauffeur est descendu, il met du bloc pour pouvoir bloquer. Il enlève pour démarrer. C'était impossible. On a commencé par prier. Le camion commence par reculer un peu derrière. Et je lui ai dit, mais Jésus, tu attends la prière? On a commencé par prier. D'un seul coup, ça a repris le moteur. Amen. Et le truc, l'esprit de Jésus dit, même, les anges ont poussé cette camion à monter. Amen. Amen. Voilà l'accomplissement de Somme 91 dans notre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Et nous tenons ferme. Que le Seigneur Jésus-Christ nous gardera juste. Ouais. Donc, l'ennemi peut te tenter par plusieurs manières dont notre leçon aujourd'hui nous parle aujourd'hui. Je vais te dire encore autre chose. Le diable ne va pas te tenter par les choses que tu connais déjà, ou les choses que tu maîtrises déjà. Je donne un exemple. Si je prends un masque de parvis, en voulant te lancer, tu seras prêt à esquiver. Parce que tu vois. Oui. Par contre,
si je prends une feuille devant toi en train de prier, et toi avec que c'est une feuille que je suis en train de prier, et sans que tu le saches, je mets un bile en fer dedans, à l'intérieur, et je le roule tout ensemble. Tu vas dire, ah bon, tu vas penser toujours que c'est le papier. Je vais te lancer, et là, bon, tu vas dire peut-être que tu vas attraper ça. Mais à cause du poids qui est rentré dedans, ça va te toucher. C'est pour te dire que le diable va te tenter peut-être pas des choses simples, les choses même dont tu n'imagines même pas. Que Jésus nous aide à s'en sortir dans le nom de Jésus. Amen. Et nous protège dans ceci. Mais je vais poser une question. Qu'est-ce qui était réellement en Jésus et que Jésus a surmonté toutes ces choses-là et qui peut être en nous aujourd'hui? C'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit, tu le reçois quand tu es sauvé. Et cet Esprit continue à grandir en toi à débordement lorsque tu continues à lire la parole de Dieu, lorsque tu continues à prier. Et cet Esprit te met en garde contre ce que l'ennemi peut amener de gauche, ce que l'ennemi peut amener de droite. Cet Esprit te dit, quand l'ennemi te vient et t'amène de doute sur beaucoup de choses, il va te dire, non, mon fils, que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il nous accorde grâce tout ce que l'ennemi va chercher à inciter à nous faire, que le Seigneur nous en délivre. Parce que n'oublions pas que l'ennemi utilise toujours la séduction, l'attirance, ces choses, et aussi pour t'atteindre réellement. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par te faire baisser dans la prière. On commence par négliger la prière. On commence par négliger un peu la parole de Dieu. Après, on commence par s'éloigner un peu des frères, un peu des sœurs. Là, tu ne te sens rien. Là, quand tu commences par voir ces signes-là, sache qu'il est en train de préparer quelque chose derrière. Il a toujours quelque chose en arrière. Il a dit à Jésus de changer le pain. Mais Satan a autre chose en arrière. Il lui a dit, oui, de l'adorer qu'il va lui donner. Alors que l'homme sait que ce n'est pas à lui. Donc il a toujours quelque chose en arrière. Que Jésus-Christ nous délivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que essayons toujours, même si les situations nous dépassent, même si tu as prié sur certaines choses, juste à ce que vraiment tu vois que est-ce que Dieu là, il va faire ça avec moi. Maintenant, j'abandonne tout. Je vais me retirer dans un coin. Je ne vais plus faire rien. Pose-toi la question. Quel est l'objectif de cette situation? Est-ce que cette situation, si tu te retires, ça va t'amener où? Si tu persévères jusqu'au bout, ça va t'amener où? Pour pouvoir atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous délivrera. Amen. Et il délivrera aussi nos jeunes. Amen. Il va te dire, mais, regarde dans l'église, regarde dans l'église. Qui est-ce que toi, tu vas marier? Que le Seigneur nous délivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, il n'y a personne là-bas. Mais regarde celle-là. Tu vois. Elle est chrétienne aussi comme toi. Il est chrétien comme toi. Oui. Mais il y a autre chose derrière. N'oublie pas. Il y a toujours quelque chose derrière. Que le Seigneur délivre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il nous accorde toujours sa grâce jusqu'au bout. Cette leçon, si le Seigneur nous amène, c'est que le Seigneur a quelque chose dans notre vie et il veut atteindre. C'est pour cela, j'aimerais, avant de clôturer, j'aimerais que nous allons retourner ensemble dans Éphésiens 6, le verset 11. Et je vais le lire, j'aimerais que vous le suivez avec moi. Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Toutes les armes de Dieu. Tout. Pas d'exception. Car
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton frère. Tu n'as pas à lutter contre ta sœur. Et Jésus a reconnu cela dans Pierre. Il sait que ce que Pierre disait, que ce n'était pas lui. Il dit, arrête-toi de moi, Satan. Parce que Jésus a vu que c'est une autre personne derrière là-bas. Oui. Ton frère, ta sœur peut être de faire, te faire quelque chose. Prie pour ta sœur. Aime ta sœur. Aime ton frère. Et prie pour l'esprit qui veut le pousser, à te pousser à bout. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel. Il a prié déjà pendant 21 jours. Le jour qu'il a prié, l'ange a été déjà envoyé. Mais dans les airs, les princes dans les airs, ils l'ont bloqué. Pas sa persévérance dans la prière, l'ange est arrivé. Il sera ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Amen. Dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Jésus a tout surmonté. Il a tenu ferme parce que jusqu'à la croix. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que l'évangile de paix, le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut évangéliser. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ah, mon Dieu a dit, mon Dieu a dit, mon Dieu a dit, il est écrit, je connais qui j'adore, je sais qui je sais. C'est le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut. Donc, le salut est important. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Et je conclue par ce verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Tu te mets à genoux, tu te couches, tu es en chemin, n'importe où. Tu toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Notre devoir est de prier pour les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont, devant. Ils sont devant. Il est écrit, frappe le berger, et les brebis seront dispersées. Donc, nous devons prier pour nos dirigeants, pour nos responsables, à tout niveau. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. C'est enfin notre leçon. Merci. Allows me by some time mercy. Trials cannot harm me, for I have blessed peace. All I've left behind me, I long for no more. Better things shall find me on Canaan shore. Let those who will stay in Egypt land. I am bound for Canaan, where milk and honey flowing shall every need supply. All battles fought and the victory won. Peace, enjoy my portion. My soul shall rest on its shore. I am bound. Troubles do not press me. They cannot abide.
though they may beset me, in Jesus I will hide. All the world's commotions about me may roam. There's no stormy ocean on Canaan's shore. Let those who will stay in Egypt learn. I am bound for Canaan, where milk and honey flowing shall every need supply. All battles fought and the victory won. Peace and joy, my portion. My soul shall rest on its shore by and by. Sur notre écran. Donc, nous voyons que, premièrement, comme nous avons fait aujourd'hui, les dimanches, nous avons notre culte de dévotion en ligne sur Zoom. Et nous avons aussi, le soir, l'après-midi, de 17h30 à 19h, notre culte de réveil et d'évangélisation sur Zoom. Donc, premièrement, c'est à 9h à midi, et ensuite, le soir, de 17h30 à 19h. Connectez-vous, soyez nombreux, et le Seigneur sera avec nous et vous bénira. Amen. Amen. Il vous sanctifiera et vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous aidera à résister à toutes les tentations, à résister au diable et à faire que vous puissiez aussi aller à ce canon céleste pour lequel nous persévérons, pour lequel nous luttons et pour lequel nous prions pour pouvoir y être. Amen. Nous avons nos prières dirigées les lundis et les mardis de 21h à 22h. Venez nombreux, c'est un moment où nous pouvons prier ensemble, nous réunir. Nous savons que là où deux ou trois personnes se réunissent en son nom, qu'il est au milieu de nous. Chacun de ces événements, il est au milieu de nous, abondamment. Et en faisant cela, nous nous rapprochons encore plus de cela, de lui. Donc, connectez-vous et le Seigneur vous aidera également. Donc, les mercredis, c'est une journée d'évangélisation. Parce que, comme la leçon des enfants nous a montré, c'est important d'évangéliser. C'est important de faire la volonté de Dieu. Et si nous le faisons, le Seigneur nous bénira également. Amen. Mercredi, c'est encore notre journée d'études bibliques. Donc, c'est de 21h à 22h. Comme on a vu aussi, c'est par la parole et la connaissance de la Bible que le Seigneur a pu vaincre le diable. De la même manière, nous aussi, nous apprenons plus de la parole pour pouvoir résister, pouvoir tenir ferme jusqu'au bout. Amen. Donc, les vendredis, c'est louange et adoration.
de 21h à 22h, nous louons et célébrons le Seigneur, comme il a dit, selon sa volonté, par des chants et par des louanges, qui nous permet de pouvoir nous rapprocher plus de Dieu, apprendre des nouveaux chants et le louer en tout temps et en tout ce que nous faisons. Les samedis de 9h à 10h, c'est la prière des jeunes, où tous les jeunes peuvent se connecter, prier ensemble, et l'unité, le fait de pouvoir se réunir ensemble, permet que le Seigneur soit au milieu de nous et qu'il réponde à toutes les prières et qu'il fasse encore des merveilles pour tous les jeunes. Donc, nous avons aussi des prières avec nos frères de Londres qui sont du lundi au vendredi de 20h30 à 21h30 et les samedis de 9h à 11h via le lien qui est affiché. Nous avons aussi nos leçons qui sont sur le site internet avec aussi une partie pour les témoignages qui sont aussi affichés sur le site internet qui permet de pouvoir écrire vos sujet de prière, écrire vos témoignages lorsque le Seigneur agit pour vous. Nous savons que nous amenons tout cela devant le Seigneur. C'est lui qui est au-dessus de tout, qui a toute puissance et qui est au-dessus de toute chose et qui répond à toute prière, qui fera ses merveilles, qui répondra à toutes vos attentes. Donc, nous avons aussi notre lien pour se connecter sur Zoom. Donc, c'est affiché. Et c'est aussi possible de se connecter aussi via le téléphone. Donc, vous pouvez partager aussi ce lien aux personnes autour de vous pour qu'elles puissent se joindre à nous. Nous puissions être ensemble dans l'unité, dans la joie et dans la paix, et que le Seigneur fasse des merveilles au milieu de nous. Nous avons aussi notre numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous contacter. Par la suite, nous vous emmènerons dans notre groupe WhatsApp qui vous permet de pouvoir recevoir aussi, par exemple, les chants que nous faisons les vendredis, qui vous permet aussi d'avoir les leçons, vous permet aussi d'avoir beaucoup d'informations que nous faisons et que nous vous donnons au cours de la semaine. Il y a également nos applications comme AFM, CGS, Foi Apostolique, Paquet français, AFM Héritage et Sur les ailes de la foi, qui sont des applications que nous utilisons pour pouvoir célébrer le Seigneur, le louer. Donc, c'est aussi important de les télécharger pour pouvoir apprendre des chants, pouvoir célébrer le Seigneur et le glorifier encore. Donc, c'est la fin de notre annonce. Et comme nous avons commencé au début par cette annonce, en disant que nous voulons aller à Canaan, que le Seigneur fasse encore que nous puissions nous connecter pendant jusqu'à midi, et ce soir encore, que nous puissions vraiment aller à Canaan en priant et en faisant ça. Ouais. Amen. À tout ce qui est mauvais et en faisant tout sa volonté dans la sainteté en tout temps. Ainsi prenne fin les annonces.
Les anges chantent avec joie dans le ciel, là-haut, au bord de la berline. Les harpes répondent aux douces mélodies. Le ciel doit être bien merveilleux. Le ciel doit être bien merveilleux. Ô douce de mes dérachetés, lieu de repos pour ceux qui sont là. Le ciel doit être bien merveilleux. Amen. Oh,
à l'un de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit à l'un de l'autre bord, à l'un de l'autre bord. Amen. Amen, 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 amen. Le ciel est un lieu merveilleux. Oui. Et on vient de nous dire encore que ce lieu merveilleux, c'est à ce lieu merveilleux que Dieu nous invite. Oui. Et en même temps, la leçon d'aujourd'hui nous avertit que la mer peut être agitée en chemin. Le vent peut se lever. Oui. Mais le chant que nous venons d'entendre nous dit que Dieu n'a pas dit que nous allons sombrer. Non. Non, il nous a dit qu'il nous amène à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Jésus nous a, va nous amener à l'autre bord. Oui. Parce que dans le même chant, on dit l'orage ne me freine. Si l'orage ne doit pas m'effrayer, je dois prendre des dispositions, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça notre leçon d'aujourd'hui. Notre leçon d'aujourd'hui nous parle de comment nous allons prendre des dispositions pour que l'orage ne nous frappe, nous effraie pas. L'orage ne nous effraiera pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons le développer tout à l'heure, mais avant ça, nous allons chanter quand même. Nous n'allons pas laisser seulement les chanteurs chanter. Vous êtes d'accord avec moi que ce ne sont pas seulement eux qui savent chanter, n'est-ce pas? Nous savons aussi chanter, non? Oui. Voilà, nous allons chanter aussi. On va commencer en chantant dans Sur les ailes de la foi, le numéro 52. 52, please. 52. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. C'est pour cela que nous sommes là, n'est-ce pas? Oui. Et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. On va vous donner... L'homme va nous donner un chant. Je voudrais des volontaires, une famille volontaire pour me chanter ces trois choses-là. La famille de chant. Hein? Ces trois quoi? Couplets. Ces trois couplets de chant. Quelle est la famille volontaire qui veut me chanter les trois couplets? Très bien. La famille Sosa. La famille Sosa va nous chanter les trois couplets. Après l'orgue, s'il vous plaît. Le don suprême
De lui ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer en changeant de cantique. On va prendre maintenant CGS, le numéro 142, 142, please. 142. 142. Quand ce monde prendra fin, quand le soleil s'enfuira, quand de vous devant la gloire, je reverrai tout mon passé, je serai donc pleinement, Seigneur, combien je te dois. Debout devant le trône, revêtu de ta beauté, te voyant tel que tu es, je t'aimerai d'un cœur pur. Je saurai donc pleinement, Seigneur, combien je te dois. Nous allons chanter 1, 2, 4, 5. Nous allons le chanter. Je vais le chanter. Et vous allez fermer vos... Parce que tout le monde ne ferme pas son micro. Ça fait que nous entendons, ça coupe le chant de la famille qui chante. Nous voudrons que ceux qui ne chantent, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas désigné pour chanter, puissent fermer leur micro. Comme ça, on puisse bien entendre ceux qui chantent. Que Dieu vous bénisse. L'orgue, s'il vous plaît. Ce monde prendra fin, quand le soleil s'enfuira, quand de beau dans la gloire, je reverrai tout mon passé, je saurai donc pleinement, Seigneur, combien je te dois. Debout devant le trône, revêtu de ta beauté, te voyant tel que tu es, je t'aimerai d'un pur. Je saurai donc pleinement, Seigneur, combien je te dois. Comme à travers un miroir, fais que ta gloire passe. Fais-moi sentir ton pardon. Fais-moi avoir l'aide d'être prêt. Fais-moi connaître
Et c'est bas un peu de ce que je dois choisir, non pas mérite, mais pour fuir la colère cachée près de toi, Sauveur. Sanctifié par l'Esprit, Christ, apprends-moi à montrer par amour ce que je dois. Amen. Nous allons continuer notre chant avant la prière. C'est le même cantique, le numéro 144. Nous allons demander à la famille Rouillet de nous chanter ce chant, le numéro 144. Le temps peut ternir tout trésor. Prends tout ce que j'aimais. Jésus donne joie durable. Que me faut-il donc encore? Que me faut-il donc encore? J'ai Christ, rien ne me manque. De sa main viennent des dons. Ainsi, je chante toujours. J'ai Christ, rien ne me manque. Si la joie du monde manque d'éclairer ma voie sombre, Christ emporte ma tristesse. En lui, je possède tout. En lui, je possède tout. Nous allons chanter le troisième couplet debout pour nous être guidés en prière. Le troisième couplet sera chanté debout, s'il vous plaît. Le son de la famille Rouillet. Amen. 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 C'est vrai, nous avons Jésus
et rien ne nous manque. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Oui. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée encore ce matin. De venir à tes pieds, Seigneur. De venir t'écouter. Oui. De venir entendre ta parole. Oui. De venir écouter tes instructions. Oui. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Jésus, merci. Amen. Merci parce que tu as payé le prix pour Amen. Nous. Merci parce que tu es venu pour nous libérer. Amen. Merci parce que tu es venu pour nous aider. Amen. Merci parce que tu es venu pour nous montrer le chemin. Le chemin de la vie. Amen. Le chemin que nous devons passer pour aller au ciel. Amen. Pour aller sur cette terre de Canaan qui est au ciel. Amen. Ce pourquoi tu nous as appelés. Amen. Éternel Dieu, nous te disons merci. Amen. Reçois nos louanges ce matin. Amen. Reçois nos louanges ce matin. Amen. Reçois nos louanges ce matin. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Amen. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour la santé. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta provision. Amen. Merci pour ta faveur, ta grâce. Amen. Grâce imméritée. Nous Amen. Ne méritons rien, Amen. Mais tu nous fais tout gratuitement. Amen. Seigneur, que ton nom soit exalté. Amen. Jésus, que ton nom soit célébré. Amen. Que ton nom soit magnifié. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Si nous regardons à côté de nous, de gauche à droite, devant, derrière, avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Amen. Oh Seigneur Jésus, mais tu ne nous as pas laissés. Amen. Tu nous as tes promesses. Oui, ce psaume 91 que nous récitons tous les jours, que nous lisons tous les jours. Amen. Seigneur Jésus, tu la réalises sur nous. Amen. Tu la réalises sur nous Amen. Comme tu as fait pour les enfants d'Israël. Quand ils quittaient l'Égypte dans Exode, tu as dit, tu verras le sang et tu lâches destructeur passera par-dessus d'eux. Et c'est ce que tu as fait pour nous. Jésus soit béni. Amen. Jésus soit béni. Amen. Jésus soit loué. Amen. Nous te disons merci. Nous Amen. Te disons merci pour ta protection sur nous. Amen. Nous te disons merci pour nous, mais pour nos familles, pour Amen. Le monde entier, pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, reçois nos louanges. Amen. Tu nous as enseigné. Amen. Ce matin, tu nous as donné ta parole. Oui. Seigneur, tu Amen. Nous as nourri. Oui. Et maintenant, tu veux nous nourrir encore. Oui. Tu sais que ce n'est pas suffisant. Il nous faut encore. Oui. C'est pour cela que tu veux nous parler encore. Oui. Seigneur Jésus, parle-nous. Amen. Jésus, parle-nous. Amen. Jésus, parle-nous. Amen. Seigneur Jésus. Le pasteur que tu vas utiliser, oui. Seigneur Jésus, réveille-le de ta puissance. Réveille-le de ta puissance. Réveille-le de ton esprit. Seigneur Jésus, descends et parle-nous. Seigneur Jésus, descends et parle-nous. Que nos cœurs, que la parole nous brise. Amen. Que la parole soit une et une percée. Amen. Jésus, brise nos cœurs. Amen. Seigneur Jésus, quand nous allons écouter, Seigneur, écris ta parole dans nos cœurs. Amen. Enseigner dans la leçon. Amen. Il nous a dit de connaître la parole. Ouais. Que si nous ne connaissons pas la parole, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi. Seigneur Jésus, Amen. Toi aussi, quand Satan t'a tenté, oui. tu as utilisé la parole. Oui. Oh Amen. Jésus, aide-nous. Amen. Jésus, aide-nous. Amen. La parole dans nos cœurs. Amen. La parole dans nos cœurs. Amen. Seigneur Jésus, ce matin. Nous Amen. Avons besoin de toi. Oui. Nous, nous savons que tu as déjà commencé avec nous. Ouais. Et maintenant encore, nous avons encore plus besoin de toi. Oui. Seigneur Jésus, descends au milieu de nous. Amen. Jésus, descends au milieu de nous. Amen. Amitié de nous. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Rappelez-nous de ton esprit. Amen. Jésus, nous avons besoin de toi. Tu nous as dit, sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Amen. Jésus, descends sur nous. Rappelez-nous ton esprit. Rappelez-nous, Seigneur. Seigneur, tout ce Seigneur, que ton esprit demeure en nous. Amen. Jésus demeure en nous. Amen. Tu nous as dit aussi que nous ne pouvons pas avoir cet esprit sans la prière. Amen. Ce matin, nous te demandons. Amen. L'esprit qui prie, l'esprit qui prie, l'esprit qui boue à tout moment. Seigneur Jésus, donne-nous. Jésus, donne-nous. Jésus, donne-nous. Aide-nous à prier. Aide-nous à s'approcher de toi. Aide-nous à prier à tout moment. Tu nous as dit de prier sans cesse. Amen. De ne pas tomber dans le peuple de l'ennemi, oh, dans la tentation. Seigneur Jésus, nous n'avons pas la force.
et nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur Jésus, remplis-nous. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous à prier à tout moment. Aide-nous à prier à tout moment. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Affermis nos pas. Affermis nos pas. Nous allons au ciel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, tiens nos mains. Quand la Bible serait en train de lancer ses flèches, Jésus, garde-nous. Protège-nous. Quand il est en train d'envoyer ses ruses, Jésus, donne-nous ton esprit. Conduis-nous, Seigneur. Escoutez-nous, Seigneur. Sois-nous encore. Nous mettons le monde entier dans tes mains. Seigneur, tu connais le problème que nous avons. Le problème de coronavirus, les problèmes de cancer, la catastrophe, beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Seigneur Jésus, nous savons que nous avons péché contre toi. C'est pour cela que tu as hérité contre nous. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nos péchés. Et arrête cette parole. Jésus, ce coronavirus, garde-le complètement. Amen. La joie et libère-nous de confinement, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons, ce matin, Seigneur, viens les assister. Jésus, tu es le grand médecin. Seigneur Jésus, va les soigner pour nous. Jésus, relève-les pour nous. Amen. La vie, Seigneur. Donnez la vie, Seigneur. Amen. Donnez la vie, Seigneur. Amen. Tous les problèmes de nos frères et sœurs, tous les problèmes de tes églises, Seigneur, le monde entier, Seigneur, nous mettons tout dans tes mains ce matin. Désir et agir. Dis seulement un seul mot. Jésus, dis un seul mot. Amen. Et tout le monde aura la paix. Tout le monde aura la joie. Amen. Fais-le pour ta gloire. Jésus, fais-le pour ta gloire. Amen. Ce matin, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous voulons t'écouter. Amen. Dans ta parole. Amen. Tout le monde partout. Ceux qui nous suivent sur le Zoom. Seigneur Jésus va les toucher. Amen. Seigneur, le désir de leur cœur. Seigneur, donne-les. Jésus, donne-les. Amen. Donne-les. Donne-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Nous voulons bénir ce matin. Dieu bénis-nous. Dieu bénis-nous. Sois avec nous. Sauve, Seigneur. Sanctifie, Seigneur. Baptise, Seigneur. Affermis-nous, Seigneur. Amen. La gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre maître, il nous a développé la leçon que nous avons apprise pendant une semaine. Et nous l'avons déjà lu à la maison. Le maître vient de faire le développement. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un éclaircissement ou il a une question à poser? Vous allez vous énoncer pour qu'on vous entende, puisqu'on ne vous voit pas complètement. Si quelqu'un a une question qui se prononce dans la leçon d'aujourd'hui, il y a des questions? Les techniciens, vous voyez quelqu'un? Pas de questions? D'accord. Alors, Emmanuel, c'est quoi le titre de la leçon déjà? Surmonter la tentation. Surmonter la tentation. Mais pourquoi on nous envoie, Dieu nous envoie cette leçon, surmonter la tentation? Pourquoi? Nous l'avons dit déjà plusieurs fois, le maître l'a dit, les chants l'ont dit. Pourquoi? Il nous envoie cette leçon pour nous préparer à des épreuves à venir. Oui, qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi cette leçon? La question est déjà dans ce que le maître a dit, dans les chants qui sont chantés. La réponse à cette question est là-dedans. Qu'est-ce qu'il veut me donner la réponse à cette question? Il nous a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Parce que Jésus, même étant tenté, il nous a montré l'exemple pour que nous sachions comment nous allons faire quand nous serons aussi tentés. Parce que le diable qui a tenté Jésus n'hésitera pas une seconde à nous tenter, même pire que Jésus. Mais il nous a appris comment nous devons faire, comment nous devons arriver à bout de quand nous allons traverser des tentations ou des épreuves dans ce monde. Merci beaucoup. Ça veut dire que Jésus,
quand il est venu dans le monde, il est venu, il a dit, je vais préparer une place pour vous. Mais il veut que nous soyons avec là où il est, non? Oui. Et en même temps, il nous dit, si l'ennemi ne l'a pas laissé lui, l'ennemi qui sait qu'il est un fils de Dieu, mais il a voulu quand même le temps, je peux lui arracher cela, je peux lui arracher cela. Est-ce que nous, il va nous laisser tranquille? Non. C'est pourquoi la sœur a chanté le chant, il dit que l'orage, c'est dit, la sœur a chanté le titre de la leçon de la sœur, c'était quoi déjà? La mer se déchaîne. La mer peut se déchaîner. Ça veut dire notre voyage, notre pèlerinage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on aille là. Qui ne veut pas qu'on arrive à l'autre bord. Mais Jésus, on nous a dit, mais c'est, il est Dieu. Oui. Mais il a déposé son statut de Dieu pour se revêtir de la chair de l'homme pour pouvoir sentir la faim, pour pouvoir sentir la soif, pour que dès que j'ai soif, dès que j'ai faim, dès que nous avons n'importe quel problème, parce qu'il a subi tous les problèmes que nous pouvons subir dans ce monde. Oui. Et c'est pour nous dire que si lui a souffert de cela, si le diable ne l'a pas épargné, est-ce que le diable va nous épargner? Non. Non, le diable ne va pas nous épargner. Mais il a dit, non, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il a dit qu'il a vaincu le monde. Et si lui, il a vaincu le monde, si nous pouvons le regarder, c'est pourquoi le maître a bien fait de nous donner le chant 511 là, parce qu'il nous dit comment est-ce que nous pouvons avoir la victoire. 511, il dit ne cède pas la tentation viendra, puisque la tentation est arrivée à Jésus, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Il dit c'est un péché, ça veut dire que la tentation n'est pas un péché. Non. Mais succomber à cela, c'est ça qui devient un péché. Et il dit, chaque victoire que tu as, si tu as la première victoire comme ça, ça va te donner la force d'avoir la seconde victoire, n'est-ce pas? Oui. Oui, il dit, chaque victoire te mène à une autre. Oui. Lutte comme un homme, comme un vaillant. Et qu'est-ce que tu dois dompter? Les passions. Parce que nous voyons que les passions, c'est ça qui est la chose que le diable amène devant nous. Oui, nos faiblesses, quand nous avons faim, quand nous avons soif, d'accord, ça c'est un. Mais le plus important, c'est les passions. Oui. C'est les passions qui nous animent. Je veux ceci, je veux être ceci, je veux faire ceci, je veux être comme l'autre. Nos passions. Mais l'autre est telle chose, je veux l'être aussi. Nous devons dompter. Le maître a bien fait de nous donner. Ce genre dit, nous devons dompter nos passions. Et comment nous allons dompter cette passion-là? La phrase que Jésus nous a dit, il dit, regarde à Jésus. Si nous regardons à Jésus, est-ce que nous allons tomber? Non. Non, nous devons regarder à Jésus. Et tu viendras à nous. Que Jésus nous aide à le regarder. Amen. C'est que c'est difficile de toujours regarder Jésus quand les épreuves nous arrivent. On veut faire comme Pierre. Pourquoi Pierre a voulu sombrer dans l'eau? Parce qu'il a commencé par regarder la vague. Au lieu de regarder qui? Jésus. De regarder Jésus qui lui a dit, viens. Que Jésus nous aide. Amen. Mais le frère nous a chanté, il dit, l'orage ne me freine. Comme nous savons que l'orage est devant nous maintenant, il dit que l'orage ne le freine. Comment nous allons faire pour ne pas craindre l'orage? Nous savons maintenant, notre maître nous a dit que l'orage est devant, que c'est inévitable. Nous allons passer dedans. Mais il dit, il a chanté, il dit, ça ne me freine. Comment nous devons faire pour que cela ne nous effraie pas? Quelqu'un pour me répondre? Nous devons nous approcher plus de Jésus. Oui, je veux que vous me le dites naturellement d'abord. Comparons ça au froid. Nous sommes en hiver, n'est-ce pas?
Nous sommes en hiver, n'est-ce pas? Oui. Si je ne veux pas craindre, je veux sortir. On dit qu'il fait moins 5 aujourd'hui. Je dis, je vais sortir sans craindre le froid. Je fais quoi? Je porte mon manteau. Oh, je me couvre. Je me protège. Merci. C'est pourquoi le maître a encore bien fait de clôturer sa leçon par... Vous pouvez me relire le Éphésiens 6, hein? Vous pouvez me relire à partir du verset 13, la note verset de mémoire. Éphésiens 6, je vais dire, hein? Verset 13, quelqu'un a trouvé? 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Oui. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 19. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà les armes dont nous devons nous vertir. Regardez, je vais vous donner l'exemple, comme je vous ai donné l'exemple du foie. Vendredi dernier, avant-hier, comme je dois voyager, je voudrais aller faire le test COVID-19. Et comme c'est un rang et qu'il faut que je sois là-bas, avec ce froid-là, le matin de bonne heure, déjà à 6 heures, il faut aller se mettre en rang, sinon tu vas être le 80e. Wow. Tu vas avoir froid. Vous savez, j'ai dû porter 3 pantalons, j'ai porté près de 3 chemises, j'ai mis un chapeau, j'ai mis ceci, parce que je ne veux pas que le froid me frais. Dis, je vais aller, je veux défier le froid. Et j'ai pu le défier. C'est comme ça. Quand nous savons qu'il y a un problème devant nous, nous devons nous apprêter en conséquence. C'est ce que Dieu nous dit. Et il nous dit comment est-ce que nous allons nous apprêter parce que le danger est devant nécessairement. Lui, il n'a pas. Le diable ne l'a pas laissé. Et il ne laissera personne. Il viendra quand tu es faible. Il viendra quand tu as des problèmes. Il viendra quand tu as le doute, parce que c'est le doute qu'il sème. Nous avons vu qu'il emploie la parole de Dieu. Nous allons voir le cas d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu. Dieu me connaît, Dieu te connaît. Et le diable me connaît encore plus que moi-même. Le diable me connaît plus que moi-même. Il connaît mes points faibles. Regardez, un homme de Dieu que Dieu a envoyé pour aller prêcher contre Jéroboam dans son temple d'idole, là où il est en train de faire des sacrifices. Il a exécuté l'homme de Dieu. Jéroboam lui a dit, homme de Dieu, viens rentre chez moi. Il a refusé, il dit, non, Dieu m'a dit, quand je vais, qui lui a dit? Dieu lui a dit, va. Et ne passe pas par le chemin où tu es passé pour partir, ne passe pas par ce chemin pour revenir. Mais c'est un homme de Dieu comme lui qui est venu. Hein? Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque chose. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point de l'eau avec toi en ce lieu. Si, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le. Un ange lui a parlé. C'est un homme de Dieu qui dit ça. Que Dieu nous aide. Amen. Le diable va passer par tous les moyens.
Mais si tu t'attaches à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu change ce qu'il a dit? Non. Ce que Dieu a dit le matin, il le change le soir, à midi? Non. Dieu ne le change pas. Dieu ne le changera pas pour toi. Dieu ne le changera pas pour moi. Cet homme de Dieu, le diable a passé par lui. C'est comme ça, le maître a bien devenu, il a dit, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère. C'est le diable qui est derrière, n'est-ce pas? C'est le diable qui est rentré dans ce vieux prophète qui vient parler. Mais lui doit se rappeler, mais l'ordre que l'Éternel m'a dit. Si l'Éternel doit me dire de faire autre chose, c'est l'Éternel encore qui doit lui en parler, non? Oui. Mais non. Un autre prophète est venu lui en parler. Ça, c'est pour nous montrer que nous sommes faibles. Et nous trouvons, c'est pour cela que la partie qu'on nous a donnée à lire, là, le verset de mémoire, là, est très importante. Nous devons lire la parole de Dieu et nous attacher à cela, nous approprier cela. Comme ça, quand le diable vient, nous allons savoir que c'est le diable. Ce n'est pas notre frère, c'est le diable. Ce n'est pas notre soeur, c'est le diable. Ce n'est pas le voisin, c'est le diable. Ce n'est pas celui-ci, c'est le diable. Et nous allons savoir comment agir. Que Dieu nous aide. Amen. Cette leçon est très importante. Que Dieu nous aide à nous approprier cette leçon. Amen. La victoire, pour que, comme la sœur l'a chanté, pour que nous puissions aller à l'autre bord. Parce que Jésus nous attend à l'autre bord. Il nous attend à l'autre bord. Il nous attend. Il m'attend. Là-haut, il m'attend. Là-haut, il nous attend là-haut. Mais il veut que nous puissions le regarder. Nous puissions suivre sa parole. Que Dieu nous aide. Amen. C'est ça qui va m'amener dans il nous reste peu de temps, mais je vais quand même parler un peu sur ma leçon d'aujourd'hui, ma prédication d'aujourd'hui. Ça, c'est la générosité de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas généreux envers nous? Oui. Dieu est généreux envers nous. Parce que depuis le début de cette année, il nous a dit, nous n'avons pas été sages, mais il nous a dit, je vous ai protégé l'année dernière. Mais cette année encore, c'est une année de bénédiction pour vous, n'est-ce pas? Amen. Nous l'avons lu dans Somme 1, non? Il nous a dit, bénis, nous serons bénis, non? Et il nous a dit, comment nous allons faire pour être bénis? Comment nous allons faire pour être bénis? Nous ne devons pas marcher. Nous ne devons pas nous arrêter. Nous ne devons pas nous asseoir en compagnie de qui? Ça veut dire que nous devons tout le temps en train de regarder la parole de Dieu. Et je vous dis que il n'a pas laissé cette parole-là seulement que nous soyons, être loin pour que nous ne méditions pas. Regardez comment nous sommes bénis déjà depuis un certain temps. Combien de versets de mémoire nous apprenons par semaine? Nous apprenons un verset de mémoire lundi, un verset de mémoire mardi, un verset de mémoire mercredi, un verset de mémoire jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, nous apprenons encore de versets. Vous savez combien de versets de mémoire par semaine? Oui. Ça fait beaucoup de... Et pourquoi toutes ces leçons de mémoire? C'est pour que nous puissions les approprier. C'est pour que nous puissions les approprier. Et quand nous les approprions, nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire. Amen. Que Jésus nous aide. Amen. Que Jésus nous aide. Amen. Nous allons en lire Proverbe 3, le verset 9. Proverbe 3, le verset 9. La dernière leçon que Jésus nous a appris, c'est au sujet des dîmes. Parce qu'il nous a déjà dit comment nous allons faire pour être bénis. Mais si nous sommes bénis maintenant, et je me suis dit, je suis béni. Dieu m'a donné telle chose. Dieu veut pour que cette chose dure, pour que ça soit permanente. Parce qu'on peut avoir une chose qui n'est pas permanente, non? Ami, répondez-moi, on peut avoir quelque chose qui n'est pas permanent. Mais Dieu veut que notre bonheur soit permanent. Oui. C'est pourquoi nous allons lire quelques premiers lieux, Proverbe 3, le verset 9 et 10, là. 9.
Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dites, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Merci beaucoup. Dieu nous a encore appris cette semaine que oui, je vais vous bénir. Mais pour que votre bénédiction soit abondante et que ça regorge, vous avez dit aujourd'hui, ton grenier regorgera de mou. Ça veut dire que notre bien ne sera pas pour un jour, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour un temps. Dieu veut que nous ayons une bénédiction permanente. Mais pour avoir une bénédiction permanente, Amen. C'est que ce qu'il nous donne, il ne veut pas que nous puissions le garder pour nous. Il veut que nous puissions le donner à Dieu, non seulement à Dieu. Est-ce que notre Dieu mange? Non. Dites-moi si notre Dieu mange. Non. Non, il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit s'il voulait manger. Est-ce que ce n'est pas pour lui les bêtes qui sont dans les champs? Oui. Mais oui. Mais oui, nous allons lire Ecclésiaste 11. Quelqu'un pour lire Ecclésiaste 1 à partir du verset 1, dites-moi. Oui. Ecclésiaste 1 à partir du verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Merci. Dieu veut que nous puissions jeter notre pain à la surface des eaux. Comment je peux jeter mon pain à la surface des eaux? Donner à celui qui en manque. Quelqu'un a un problème. Je ne vais pas garder mon pain pour dire je le garde pour moi. Je le garde pour moi, je ne serai pas béni. Il veut que je puisse le jeter. Celui qui en a besoin, que je lui donne. Ouais. Il ne faut pas que je dise, ah, si je donne maintenant, c'est tout ce qui me reste. Demain, je n'en aurai plus. Qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Est-ce que c'est nous qui sommes pouvons quelque chose? Non. Non, Dieu veut que nous puissions le donner. Nous puissions aider les autres. Quand nous aidons les autres, Dieu nous bénit encore. Oui. Dieu, il dit que notre grenier sera... nous avons lu ça dans notre leçon de la semaine. Nous avons lu ça dans Malachi, non? Quelqu'un peut me lire Malachi 3. Hein? C'est quel verset qui se rappelle du verset qui nous fait ça? Dit, éprouvez-moi. Faites ça et éprouvez-moi. Hein? C'est quel verset? Nous l'avons appris cette semaine seulement. Malachi 3. Lisez-moi ça à partir du verset 8, s'il vous plaît. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous le trompez. Et vous dites, en quoi ça va vous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Le rêve, vous êtes frappé par la bénédiction et vous le trompez. La nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor afin qu'il vienne de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve qui est dans les armées. Et vous devez si je ne vous crois pour vous les écrits des cieux. Merci beaucoup. Dieu dit, mais nous le voulons. Mais ce qu'il veut, il dit que Dieu lui ne mange pas. Que nous l'apportons quelque chose dans la maison de Dieu. S'il y a un travail de Dieu, que nous soyons prêts à le faire. S'il y a quelque chose dans lequel nous pouvons faire quelque chose pour avancer le travail de Dieu, nous le faisons. Quelqu'un a besoin de moyens, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu a promis de nous bénir cette année. Amen. Amen. Donne les conditions pour que nous soyons bénis. Amen. Les conditions pour que notre bénédiction soit beaucoup, permanente et éternelle. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu veut nous bénir. Il nous a promis depuis le début de l'année. Et il nous a dit dans quelles conditions nous devons être pour être bénis. Il nous a dit, il nous montre aujourd'hui, mais là, tu veux plus de bénédiction? Tu veux que ta bénédiction soit permanente? Parce que beaucoup ne savent pas que nous nous faisons du mal. C'est ça que le livre de Malachi dit. Il dit, mais vous êtes devenu malade, vous êtes pauvre. Pourquoi? Parce que ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Mes affaires ne marcheront pas. Vous savez, nous n'avons pas besoin pour parler de Dieu, de lire plusieurs chapitres de Dieu. Nous devons
Parce que pour la, ce qui s'est passé dans la Bible, nous devons le citer, mais notre vie, nous-mêmes, doit refléter. Vous voyez, quand le frère faisait la leçon, il a parlé de lui. Nous devons... Mais comment est-ce que ça s'accomplit dans notre vie? Moi, Dieu m'avait béni. Dieu m'avait fait beaucoup de choses. Mais puisque Dieu a vu que... Non, mais ça ne me permettait plus de faire comme il veut. Comme il veut. Mais il a fermé tout. Quand il a fermé tout. Mais puisqu'il m'aime, c'est par amour, n'est-ce pas? Oui. Mais oui. C'est par amour. C'est oui. Par amour qu'il a tout fermé. Mais je te veux. Mais parce que si tu continues comme ça, je ne t'aurai pas avec moi. Oui. Je... Amen. Amen. Il a tout fermé. Amen. Amen. Il a tout fermé. Pourquoi je quitte la position d'enfant prodigue pour devenir un prodige? Aujourd'hui, je suis un prodige. Amen. Je suis un prodige. Je ne sais pas si les enfants comprennent ce que c'est qu'un prodige. Quand je vais à Cotonou, quand les gens vous voient, ils me disent, ce type, il est encore vivant. Ce type, il est encore comme ça. Amen. Il est encore comme ça. Je suis un prodige devant les gens. Oui. Amen. Même ceux qui m'entourent sont plus proches de moi. Vous voyez, celui-ci, c'est un prodige. C'est comme ça que Dieu veut nous faire. Amen. Dieu veut qu'on quitte la position de prodigue pour devenir un prodige. Amen. Il veut faire ça à chacun de nous. Amen. Il veut faire ça à chacun de nous. Amen. Ce que nous devons faire, c'est que la Bible nous a dit quelle position. Il dit que c'est une année de bénédiction pour nous. Amen. Il nous a dit dans quelle position nous devons être pour être béni. Il nous a dit ce que nous devons faire pour que cette bénédiction soit abondante, permanente et éternelle. Amen. Jésus nous appelle. Amen. Il veut que nous soyons bénis. Amen. Nous allons prier. Oh Père éternel, nous te disons merci. Amen. Nous te bénissons Seigneur. Merci d'avoir été avec nous. Amen. Et jusqu'ici, tu nous as aidé à mener notre bénédiction. Et maintenant, ce que tu nous demandes, nous allons sur nos genoux. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te voir. Amen. Nous voulons te voir dans nos vies. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Parce que l'ennemi, il est rusé. Il est rusé. Aide-nous Seigneur Jésus. Amen. À prier. À prier. À prendre toutes les armes pour pouvoir lutter contre lui. Aide-nous. Amen. Ce matin, toutes les questions que nous avons amenées à toi, réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Nous voulons avancer avec la joie. Amen. Avec la joie du salut. Avec Amen. La joie de la sanctification. Amen. Avec la joie du baptême du Saint-Esprit. Ceux qui sont venus malades, qui repartent et guéris. Au nom du Seigneur, nous Amen. Avons prié. Amen. Jésus. Jésus, fais-moi grâce, Jésus, fais-moi grâce, Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Jésus, fais-moi grâce.